Hey, salut! Bienvenue dans notre émission du Prof en Casa. Je suis Eduardo Magna, ton professeur de français. Tu veux apprendre le français? Eh ben, pourquoi? C'est très facile. Parler une autre langue est une porte ouverte au monde du travail. En apprenant le français, tu as la possibilité de travailler en tant que guide touristique, travailler dans le domaine du commerce, devenir traducteur ou professeur par exemple. Et le plus important, tu peux faire des études supérieures dans un pays francophone. Allons-y! Dans la chambre. Aujourd'hui, nous allons travailler le vocabulaire des prépositions et les objets de la chambre. Dans ma chambre, j'ai plein de choses. Tu veux les voir avec moi? Allez, on y va. Alors, pour commencer, où est le tapis? Très bien. Le tapis est sous le lit. Et le tapis? Il est où le tapis? Le tapis est sous le lit. Et les affiches? Elles sont où les affiches? Oui, les affiches sont sur le mur. Et les affiches? Elles sont où? Les affiches sont sur le mur. Alors, où sont les livres? Les livres sont dans la bibliothèque. Tu as vu les livres? Ils sont où les livres? Les livres sont dans la bibliothèque. Et le professeur? Il est où le prof? Ouh là là! Non! Le professeur n'est pas au milieu de l'autoroute! Ouh, le prof est dans la chambre! Où suis-je? Où est le professeur? Le professeur est dans la chambre! Et la télé? Elle est où la télé? Eh oui! La télé est à côté de la console vidéo. Et la télé? Elle est où la télé? La télé est à côté de la console vidéo. Et le miroir? Tu sais, il est où le miroir? Je trouve pas. Ah, voilà! Le miroir est derrière le professeur. Il est où le miroir? Le miroir est derrière le professeur. Et la radio? Tu sais où est la radio? C'est très facile. La radio est devant la lampe. Et la radio? Elle est où la radio? La radio est devant la lampe. Et dans ma chambre, il y a aussi une porte, une armoire et une commode. Tu sais où est la porte? Eh oui, la porte est entre la commode et l'armoire. Et la porte? Elle est où la porte? La porte est entre la commode et l'armoire.
Super! Tu as appris plein de vocabulaire et tu as fait la pratique. Mais toutes ces connaissances ne sont pas uniquement utiles pour faire un examen. Il faut que tu puisses les employer dans la vie quotidienne. Pour parler avec ton prof, par exemple, ou avec des amis. Le tapis. Les affiches. Les livres. Le professeur. La télé. Le miroir. La radio. La porte. La commode. L'armoire. Le lit. Le mur. La bibliothèque. L'autoroute. La chambre. La console vidéo. La lampe. Sous. Sur. Dans. Au milieu de. À côté de. Derrière. Devant. Entre. Eh bien, nous avons appris le vocabulaire nécessaire. Maintenant, à toi de faire la pratique. Ne t'inquiète pas si au début, la prononciation est un peu compliquée. Tu vas voir, avec la pratique, tu vas beaucoup améliorer. Et le tapis? Tu sais où est le tapis? Le tapis est sous le lit. Très bien. Le tapis est sous le lit. Et les affiches? Elles sont où les affiches? Les affiches sont sur le mur. Les affiches sont sur le mur. Et les livres? Où sont les livres? Les livres sont dans la bibliothèque. Très bien! Les livres sont dans la bibliothèque. Et la télé? Elle est où la télé? La télé est à côté de la console. La télé est à côté de la console vidéo. Et le miroir? Tu sais où est le miroir? Le miroir est derrière le professeur. Le miroir est derrière le professeur. Et la radio? Elle est où la radio? La radio est devant la lampe. La radio est devant la lampe. Dans ma chambre, il y a une armoire, une porte et une commode. Mais tu sais où est la porte? La porte est entre la commode et l'armoire. La porte est entre la commode et l'armoire. Eh ben, c'est la fin de notre vidéo. Tu veux avoir plus d'informations? Va consulter la collection de vidéos du prof Incasa. Merci beaucoup et à très bientôt.